Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ice Angel Coloriage. Aujourd'hui, je vous présente le livre Le Cercle de la vie, comme demandé par une de mes abonnées. Le livre est écrit par Melpomene Chazipan-Jitou. Je te l'avance pour que tu le vois, parce que je suis vraiment pas capable de le prononcer. Puis c'est l'édition Marabout que j'ai. Là, je le trouve tellement magnifique. C'est vraiment un bel livre. Ça, c'est la page de couverture. Le papier est quand même bien. Pas aussi épais que d'autres livres que j'ai déjà vus dans le passé, mais quand même pas mauvais non plus. Je sais pas si tu peux voir les deux côtés. Hein? Il y a comme ça, je crois. Oui. Moi, j'ai tellement d'images dans ces livres-là que je veux faire que j'ai eu misère à savoir quoi commencer par puis où d'y aller après. C'est vraiment, vraiment un bel livre. Les photos, le forêt, double page de montagne, vraiment beau. Mais j'aime faire l'eau brillante. Ça pourrait être vraiment bien. Une autre fois, le colo que j'ai fait. Un beau désert. Ouh, le signe est beau. J'avais oublié qu'il y avait un signe dedans. Voilà. Peut-être un reflet de mon couverture de page. Ah, puis à côté, c'est des signes d'un lac. J'avais jamais remarqué. C'est vraiment bien. Un beau toucan. Oh, j'aime celle-là. C'est comme un boussole avec des animaux de chaque part de la planète. C'est vraiment cool. Mais les quatre biomes dans le fond. Oh, j'aime beaucoup comment il a montré en dessous l'eau sur lui. Ça va prendre du temps à finir, celle-là. Celle-là m'a fait penser à une autre image. Je crois que c'est dans Kirby Razana, je suis pas sûre. Je sais que j'ai déjà vu une image similaire à ça. Oh, la vie d'un crabe ermite. Vraiment cool. Vraiment, vraiment bien. Beaucoup de petits détails à faire, mais moi j'aime ça. Fait que ça me plaît beaucoup pour ça. La vie d'un tournesol. Mais la fleur, le tournesol. Hein? Des abeilles puis une belle ruche. Beaucoup de fleurs sur la ruche, c'est quand même bien. Ah, le cycle de vie d'un papillon. Le chenille, le cocon puis le papillon, c'est vraiment bien. Ça aussi. Ça pourrait être vraiment plaisant à colorier, ça. Ah, moi, je déteste les serpents. Ça, je te le dis d'avance. Mais je vais le faire si je veux compléter le livre au complet, mais c'est vraiment pas mon fort. J'aime même pas les regarder, ces images-là. Encore des serpents. Photo asiatique. Vraiment beau. Ouh, le beau panda. Ça, c'est une que je veux faire bientôt. J'aime beaucoup la lampe. J'ai hésité entre lui ou le sablier. Quand j'ai décidé de colorier de quoi la première fois. Celle-là, j'ai vu beaucoup de monde le faire, puis je le trouve vraiment bien. Lui aussi. J'ai vu un YouTuber le faire, puis c'était vraiment, vraiment bien. Je crois que c'est lui aussi, Just Add Color, je pense. J'adore sa chaîne. C'est une YouTuber d'Angleterre, mais qu'est-ce qu'elle colore, c'est toujours magnifique. Oh, des lapins avec des légumes. Le petit hérisson avec les fleurs. C'est vraiment bien. Ça me fait penser à Maria Trolley, cette image-là.
Oui, oh, j'aime les livres. C'est vraiment bien. On voit pas souvent les tornades dans des livres, c'est vraiment bien. Les pyramides avec la sable, des chameaux, l'alligator, chameleon. Juste en regardant, ça me donne tellement d'idées. Oh, c'est original, un peu le reflet du rhino déjà dans l'eau, c'est bien. Ils ont vraiment, vraiment des belles affaires. La savane. Avec le lion. Capteur de rêve. Où il est beau en dedans avec les chutes. Puis tu peux faire une galaxie en arrière. Ça pourrait être vraiment bien. C'est un fond que je devrais essayer. J'ai jamais essayé encore de faire une galaxie. Ça, c'est celle-là que je vais faire. Ça, moi, ici. Pour le mois d'octobre, Halloween. Les beaux araignées. Je peux encore décider si je vais les faire comme des vraies araignées ou si je vais les faire des couleurs plus fantastiques. Je peux encore décider encore dessus. On va voir. Escargot. Ouf, celle-là va être quelque chose, hein? Il y a beaucoup, beaucoup de stock à colorier là-dedans. Pourrait être très beau quand il est fini, mais as-tu vu tous les détails? Beau coquillage. Si tu veux pratiquer tes coquillages, c'est une belle page pour la faire. Surtout que tu peux pratiquer ici, puis aller ici le mettre en pratique. Qu'est-ce que tu as pratiqué sur l'autre? Ou des dauphins, j'aime ça. Des hippocampes, des tortues. Il est vraiment beau, lui. Je l'ai vu colorier par plusieurs personnes, puis c'est toujours vraiment une belle image quand c'est fini. Ou les bateaux, j'aime ça. Les bateaux, avec les rues de bateaux dans le milieu. Le gros pieuvre. Le tourbillon d'eau, j'aime ça. Ouais, je sais, je dis souvent j'aime ça. La vie d'une poule. J'aime ça. Oui, encore, j'aime ça. Des flamants roses. Oui, il est beau. Les petits oiseaux avec leur nid, là, ça va être vraiment fun à faire. Des petits oiseaux. Je sais pas quelle sorte, là, mais c'est quand même bien. Un pain, les hiboux, les oiseaux cachés parmi les fleurs. Oh, il est magnifique celle-là. Oui, ça va être vraiment fun à faire. Je l'aime vraiment beaucoup celle-là. La vie encore d'un grenouille. C'est vraiment fun. J'aime beaucoup ces pages-là. Je trouve ça original comme idée. Tu vois, ça, c'est la couverture encore. Fait que tu avais sur la couverture, la page de présentation du livre, puis celle-là. Fait que tu as des chances de le faire plusieurs fois. Ou le volcan spécial. Fait que tous les fossiles en dessous de la Terre. Vraiment original. L'espace. Oh, j'aime beaucoup ça, jour et nuit. Ça va être fun à faire. Le soleil, livreur. Et voilà. Ça, c'est le cercle de la vie. C'est vraiment un magnifique livre. J'espère que vous avez aimé voir ça avec moi. Puis, à la prochaine. Bye bye.